Bien la musique, vraiment bien. Ça fait plaisir parce que je me dis enfin, il est de retour. On va laisser un peu les lapins de crétin de côté et c'est tant mieux. Hein. Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est Bibi300. On se retrouve sur le site avec cette découverte de la démo de Rayman Origins. Oh yeah, donc le first view, hein, comme d'habitude. Je vais découvrir en même temps que vous cette démo. Et il faut le dire, enfin, ouf, le retour de Rayman. Parce que bon, c'est bien les lapins crétins, je dis pas, mais il y a un moment donné, faut revenir aux sources. Et ben ça fait plaisir. Hein. Michel Ancel aux commandes de ce jeu. J'espère que ça sera du lourd. Je l'espère vraiment. Parce que Rayman, il y a que ça de vrai. Allez, c'est parti, on va lancer la démo. Et ah bah d'accord. Ah, pas mal ça. On peut carrément interagir dans les temps de chargement. On peut sauter avec le perso et tout. Ah, ça c'est bien. C'est déjà un petit truc qui me plaît pas mal. C'est qu'on n'est pas passif dans les temps de chargement, on peut vraiment faire ce qu'on veut, on peut carrément donner des coups de poing, des coups de pied. C'est bien parti, ça va me plaire ça. Alors, attrape les 9 Electoons de la démo, donc les roses je suppose, pour débloquer ce costume. Ok, bon, une sacrée gueule, hein. Ça donnera à Rayman un petit côté Glowbox, pourquoi pas, hein, ça peut le faire. Donc apparemment il y a des différentes bulles. Ah, sympa! Ah d'accord, excellent! Ah ouais, c'est vrai que oui, vu qu'il y a un aspect coop qui va être mis en avant dans le jeu, on n'est pas obligé de prendre Rayman. Ah ça, même tout seul, on n'est pas obligé. Ça c'est bien. Ah ça c'est sympa. Bon, pour le début, on va prendre Rayman, on va y aller, on va continuer un peu tout ça. Et c'est parti. Allez. Donc, on commence déjà à récupérer ce qu'il faut. Attaquer. Et voilà. Ah oui, carrément, il est presque en train d'exploser. Des petits combos qu'on peut faire donc avec le bouton X. Je vais voir déjà un petit peu ce que ça donne avec les différents boutons. Le bouton B apparemment c'est pareil. Ouais, ça a l'air d'être pareil. Donc le bouton A bien sûr pour sauter et si on maintient, on vole un petit peu avec les cheveux de Rayman. Ok. Oh putain, carrément. Hein, vous avez vu hein, je l'ai balancé sur l'autre adversaire et puis voilà, ça a fait un espèce de combo, combo. Je vais essayer de récupérer d'ailleurs tous les Ectoons. Voilà, ça c'est parfait. J'ai eu sauté dessus. Un petit côté Mario! Non! Et merde! Du coup, je suis tombé dans le trou comme comme un boulet. Hein. Ah, ça c'est pas mal. On appuie sur RT, on court. Ah, et on peut même faire carrément un espèce de petit combo en appuyant, bah, pareil, sur le bouton X, tout en courant. C'est bien, ça j'aime bien. Donc là, on va faire pareil. Bon, il va s'envoler. Alors, je me demande s'il s'envole, s'il meurt. Avoir un peu. Ah bah il explose. Il explose comme une bulle en fait. C'est sympa. Je vais essayer de récupérer la pièce. Putain, j'ai encore fait n'importe quoi. Ouh là là, c'est bon. Oh, va des juice. C'est bon, j'ai la pièce. Ah, ça se transforme en Electoon carrément. D'accord. Et voilà, petit passage secret. Ça va me faire plaisir. Ça, des petits passages secrets comme ça. Donc, je vais essayer de récupérer. C'est les. Ah merde, ils ont disparu. Ah d'accord, donc il faut certainement en fait un espèce de. Faut être rapide en fait pour les récupérer. Bon, pourquoi pas. Ah, ça continue. 100 temps de chargement. Ça j'apprécie quand même pas mal. Oh punaise, combien m'ont eu ces boulets. Mais. Non, je suis déjà mort. Oh punaise. Ça va vite. J'ai rien compris là. Ok, bon. Allez hop. Contre le mur. Oh putain, les animations ont l'air géniales. Vraiment. Elles ont l'air vraiment excellentes. Vous avez vu, hein, je les ai carrément balancées contre le mur. Ils se sont. Bah voilà, ils ont été contre le mur avec l'animation qui va avec. Bon, ça va me plaire. Allez, les boulets, poussez-vous! Ouais, petite destruction de décor qui fait plaisir. Alors, est-ce que je peux. Oh punaise, excellent! Vous avez vu là? Ah ouais, sympa ça. Je peux aller dans l'eau sans risquer de mourir. C'est tant mieux. Je vais quand même récupérer la petite caisse là. Allez hop! Et voilà, classique. Classique mais efficace, ça change pas. Oh putain, l'animation, excellente. D'ailleurs, faut savoir qu'on tourne vraiment 60 images secondes, hein. C'est vraiment, mais alors vraiment appréciable. Punaise. Je sais pas si vous le verrez dans la vidéo, parce que pour l'instant, c'est vrai que j'arrive pas vraiment à faire des compressions bonnes là-dessus pour le 60 images secondes, mais je peux vous le dire que c'est présent. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Oh merde, du coup, j'ai pas eu la pièce! Aïe, aïe, aïe! Bon, tant pis. C'est pas. Ah, peut-être que. Il y a peut-être moyen quand même que j'arrive au-dessus. Attendez, je vais essayer de voir quand même. Je peux pas choper ce truc? Ah punaise, je vais essayer de mettre le coup de pied. Ah voilà! Parfait! Ça c'est beau. Oh là là, j'ai quand même failli me faire écrabouiller! Écrabouiller la cervelle! Et allez, c'est parti, on continue.
Donc là, toujours pareil. Et voilà, encore des choses cachées. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a... Il y a pas mal, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de petits secrets, et ça, c'est pas pour me déplaire, ça me plaît bien. Oula, il y a une main juste en bas, j'ai bien fait attention quand même de pas m'en prendre plein la gueule. Aïe, 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 attention. Oula, là, je fais n'importe, oula, là, je fais n'importe quoi, là. Oh, punaise, je fais n'importe quoi. Eh, il y a une espèce de, je sais pas, c'est vrai que, il faut s'y faire, parce qu'il y a une espèce de petite latence quand en fait, quand on utilise le saut du personnage. C'est vrai que ça va demander un petit temps d'adaptation quand même, parce que, en fait, on a l'impression qu'il glisse un petit peu. C'est pas gênant. C'est pas gênant, mais il va falloir s'y faire. C'est vrai qu'il va falloir s'y faire quand même un petit peu. On le sent quand on le fait, quand on le fait manette en main. Donc du coup, bah voilà, je récupère ce que j'avais récupéré déjà à la base. Voilà, cette fois-ci, on va pas faire le kikou. Oh! Oh, punaise! Tout juste, il a failli me bouffer le cul! Excellent! Excellent, punaise! C'est bien. Allez, on continue. Allez, tiens, mange-toi ça. Ah. Et on va essayer de récupérer ce qu'il faut. Bon, le dernier, tant pis, c'est pas grave. Allez, on continue. Une petite glissade dans l'eau. Putain, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser, en fait, à... Vous l'entendez avec les petites musiques et tout ça. Bizarrement, ça me fait penser à Locoroco. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais ça m'a fait vraiment penser à Locoroco. On entend avec les... Écoutez. Eh, il y a un petit côté Locoroco, franchement. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi, ouais, j'aime bien, en tout cas. Ah, excellent. Les animations sont juste, en tout cas, géniales. Mais vraiment, vraiment géniales. Super bien faites. Je les trouve excellentes. Là-dessus, pas de soucis. Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite potion. Ça me donne encore des petits électrons. Et on continue. En tout cas, c'est vraiment une succession de... Bah, en fait, c'est vraiment une succession de petits tableaux que l'on fait. Là, on est directement, en fait, en pleine nuit. Apparemment, il y a un mec en bas que je dois tuer. Voilà, c'est fait. Je suppose que dès qu'on le tue, on va pouvoir après récupérer la petite caisse. Oh là là, allez, allez, vas-y, monte. Ouais, je suppose qu'il faut tous les tuer. Et voilà, parfait. Et je te sauve. Magnifique. Avec toujours la petite animation qui fait plaisir. Ah non! Excellent la photo. Excellent. Ah, on a fini le niveau. D'accord, ok. Ah, je pouvais aller jusqu'à 350 apparemment, donc j'ai pas tout récupéré. Ok, donc en fait ça me permet de récupérer les fameux petits électrons roses, mais du coup j'aurais pas celui à 300. Bon, c'est pas grave. Écoutez, pour l'instant, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ouais, ça me plaît bien. J'ai un bon feeling pour le moment avec le jeu, en tout cas niveau gameplay. C'est vraiment de la plateforme et ça n'est vraiment pas pour me déplaire. J'apprécie, en tout cas, c'est vrai que j'apprécie particulièrement. J'aime beaucoup l'ambiance, qui est assez. C'est pas surprenant, mais j'ai envie de dire c'est du Rayman quoi. Voilà, ça se prend pas au sérieux, c'est déjà ça. C'est que ça a l'air quand même bourré d'humour et notamment, ben voilà, mention spéciale aux animations. Par contre, je trouve le jeu mais vraiment joli. Hein. Oh, ah ouais, là-dessus. Ah, une petite course, excellent. On va essayer de faire... Ah, punaise, ouais, c'est la fameuse phase en espèce de shoot qui a l'air excellente. J'espère vraiment que, justement, ils vont faire en sorte de faire pas mal de petites scènes comme ça qui apportent vraiment de la diversité au gameplay. Écoutez la musique! À un moment, on entendait des sonorités un peu mexicaines. Ah, c'est excellent. Je pense qu'en termes d'humour et en termes d'ambiance, ça va vraiment être excellent. Je pense. Ah, il y a vraiment moyen de s'éclater. Et c'est déjà un bon point. C'est vraiment ce que j'attendais de ce jeu. C'est qu'on soit vraiment dans l'univers Rayman et qu'on n'oublie pas que Rayman, avant tout, bah voilà, c'est de belles animations, c'est de l'humour à 100%. Et donc, vous le savez, hein, il y aura certainement de la coop. Alors, par contre... Je sais pas s'il y a encore eu la confirmation de coop online. Je sais que offline en local c'est sûr, mais online je sais pas. J'ai pas regardé, donc à confirmer si vous le savez. Hein. Ça a l'air en tout cas bien bien pensé.
c'est beau, vraiment, ça, c'est la première chose que je retiens dans ce jeu, c'est que on voit que la patte graphique, la patte esthétique surtout, elle est bonne. Elle est vraiment bonne. Couplée à cela, eh bien, la fluidité de l'ensemble, qui est excellente. De très très bonnes animations. C'est bien parti. En tout cas, c'est vrai que c'est bien parti. Attention quand même, pas faire le kikou. Et on continue. Ah, c'est bien, c'est que je suis pas... Oh punaise, bah ouais, bah d'accord, je me suis pris le couteau dans le cul. c'est magnifique. Bon, apparemment, les checkpoints ont l'air quand même bien, bien placés. C'est tant mieux. Allez, on récupère tout ce qu'il faut. Et on continue, allez hop. Bah, je suis plutôt convaincu pour le moment. C'est vrai que ça me plaît bien. Je pense qu'en coop, ça doit être l'éclate, franchement. Ça doit être excellent. Je crois que c'est jusque 4, il me semble. Mais vous imaginez un peu le délire. Pff, ça va être excellent. Si vraiment on peut le faire... Ce qui serait bien, c'est que justement, on ait la confirmation de la coop à 4 online. Et punaise, si c'est le cas, je pense que ça va être énorme. Je pense que ça va être vraiment énorme. Attention, oh là là, les couteaux, les fourchettes, magnifique. Excellent, il manque plus que la bouffe et on est dedans. Bon, c'est vrai que pour l'instant, allez, le seul petit reproche, oh attention, que je peux faire pour le moment, c'est que ça a l'air assez facile. Ouais, c'est que ça a l'air assez facile pour l'instant. Bon, c'est que le niveau de la démo, donc je pense quand même qu'après, on aura un petit peu plus de subtilité. Mais pour l'instant, ouais, c'est vrai que c'est peut-être un peu trop facile. On verra bien par la suite. Allez, tiens, et voilà. Ah bah, il fallait pas te prélasser dans ce bain de lave, de je ne sais trop quoi. Oh punaise, changement radical d'environnement. Ça, c'est bien. Enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais je trouve les environnements très jolis. L'effet 2D est vraiment beau. C'est vraiment beau. Il y a en plus souvent cette espèce de plan, de plan... et d'arrière-plan qui joue et qui, je trouve, est excellent. Et c'est bien. Non, vraiment, là, c'est du tout bon, j'ai même envie de dire. Allez, un petit combat de boss, je suppose. Allez, c'est parti. Bon, ça a l'air pas trop difficile. Hein. Aïe, 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 aïe. Eh ben voilà, je me suis fait avoir. Punaise. Il faut quand même faire gaffe parce que il a pas beaucoup de cœur. Donc Rayman, faut qu'il fasse vraiment gaffe. Là, je m'en aperçois malgré tout. Je pense qu'on... Voilà, en deux coups, on est mort. Donc, attention. Pas faire non plus. Le Kikumu, punaise. Et voilà, bah, il faut que j'en parle pour le faire. Alors, je suppose qu'il faut... Voilà, il faut... Ah bah voilà, il faut péter son cul. Il faut péter son cul. Magnifique. Allez, c'est parti. On y va. On continue tout ça. Bah, il s'en va. Oh, bah il est où? Il est parti. Bah, j'ai récupéré la potion. Aïe, aïe, aïe. Oh, punaise. Ah, il est revenu d'un coup, j'ai rien compris. Voilà, je pense qu'on l'a bientôt eu. Je sais pas si on peut aller dans l'eau, mais je vais pas m'y risquer. Et voilà, parfait. On l'a eu. Et c'est nickel. Avec toujours cette petite musique derrière. Ah, là, sympa, sympa, sympa. Allez, hop. On enlève les chaînes et c'est parti, on les a libérés. Non, vraiment, ouais, j'aime bien. Pour l'instant, c'est vrai que j'aime bien. Je trouve que, voilà, l'esprit là, c'est ce que je retiens surtout. Ah, je crois que j'ai la pièce d'or. Il me semble que je l'ai, on va regarder. Mais je retrouve l'esprit. Voilà, je retrouve déjà l'esprit, l'humour, le côté déjanté, déluré de Rayman. Ça me plaît bien. J'aime beaucoup la patte graphique, j'aime beaucoup la patte esthétique. Ça, il y a quelque chose qui se dégage qui est vraiment très très agréable à l'œil, très joli. Et super médaille d'or! Avec la gueule de la médaille, magnifique. Avec toujours la musique. Je pense que ça va être vraiment pas mal. En tout cas, pour le moment, je suis assez convaincu de l'ensemble. Ça promet. Allez, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que le seul petit bémol. Ah bah c'est pas fini. Allez, on continue. Je crois que c'est le dernier de toute façon de niveau. Ah bah c'est boss. Boss à dents. Ouais, boss à dents, sa dent. Ça c'est pour les vieux, hein, qui reconnaissent bien sûr l'émission, hein, vous vous souvenez, hein, de Nagui. Avec brosse à dents, sa dent. Et ouais, je pense qu'à mon avis, ça doit être un boss. Ah, des phases dans l'eau.
eh ben, qui ont l'air assez jouables. Ça, c'est quand même sympa. C'est vrai que ça a l'air d'être assez... Ouais, c'est un petit peu lent, mais globalement, ça a l'air quand même assez sympathique. Non, pour le moment, je suis vraiment convaincu de cette démo, de ce que nous propose ce Rayman Origin. Je me dis qu'il y a vraiment un coup à jouer. C'est vrai que c'est ce que je disais. Moi, je voulais vraiment un retour de Rayman. Oh punaise, voilà, va falloir se dépêcher. Poussez-vous, les gars! Ouais, attention! Voilà, moi, je suis assez nostalgique des anciens Rayman. Hein. C'est vrai que j'avais beaucoup apprécié le Rayman le premier, le Rayman 2 que j'avais aussi aimé, le Rayman 3 au Gloom Evoque qui était excellent. C'est vrai que moi, dans ce sens, c'est le genre de jeu que j'appréciais. Comme je vous l'avais dit, c'est vrai que bon, les lapins crétins, ça va bien un moment, mais je voulais vraiment que Rayman. Oh punaise. Oula, ça a l'air tendu quand même ici. Je voulais qu'il revienne sur le devant de la scène, et pour le moment, ça a l'air bien parti. C'est vrai que pour le moment, ça a l'air quand même plutôt bien parti. Je suis quand même un peu sceptique, c'est sur la durée de vie. J'espère quand même que le jeu sera assez long. Ça serait quand même pas mal. Merde, du coup, je fais n'importe quoi. Et je fais n'importe quoi! Voilà, je veux aller vite, et voilà ce qui se passe. Donc, j'attends quand même de voir sur la durée de vie, parce que je suis quand même un peu sceptique. J'ai peur qu'en fait le jeu, parce qu'à la base le jeu était prévu pour être un jeu en téléchargement Xbox Live Arcade PSN, j'ai peur que le jeu soit très court. Donc on verra. Ça restera la question donc à se poser pour la version complète. J'attends notamment de voir un peu la difficulté, parce que pour le moment c'est vrai que ça a l'air assez facile hein, la plupart du temps. Pousse-toi, punaise, attention! Ça a l'air quand même assez facile, mais... Je dirais que maintenant, d'un point de vue global, ça a l'air quand même vachement bien parti. Et voilà, putain, je me suis encore fait niquer. Ah, oh, punaise! Et on va recommencer, tant pis. Voilà, bon, en tout cas, je pense que vous aurez vu déjà un bon petit aperçu de ce que donne cette démo de Rayman. Et moi, ça me plaît. Ça me plaît. Pour le moment, ça me plaît bien. Et ben, j'attends que la version complète arrive. Voilà, j'attends que la version complète arrive et... Je pense qu'il y a un coup à jouer. Je fais confiance à Michel Ancel, je fais confiance à Ubisoft. Ils savent qu'il y a un coup à jouer pour le retour de Rayman. Faut pas se planter, ça a l'air d'être bien parti. Et c'est tant mieux. Allez, allez, bon, on va se quitter là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et vive les jeux vidéo. Allez, on se bouge les fesses! C'est parti! Allez, ciao tout le monde et à la prochaine. Ouh là 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 là, allez, on y va, on y va, on y va. Poussez-vous les gars, mon dieu, Validius! Ils vont me bouffer! Je vois plus rien. Ah, c'est bon. Ouf! Je pense qu'on est sorti d'affaire. Ah, bah non, pas vraiment. Eh ben, vous aurez le droit au boss. Oh non! C'est pas possible! Oh non, ils nous ont fait le coup! Oh non, les gars, punaise! Bon, eh ben, tant pis! Il n'y aura pas de boss. Eh ben, je vous laisse sur cette cinématique. Allez, ciao tout le monde!